Il faut regarder tous les aspects de l'équipe pour commencer. Carlos Sastre est notre leader. Il y a aussi Frank et Andy Schleck qui sont nos co-leaders, ce qui nous fait trois attaquants potentiels. Nous avons aussi de bons coureurs autour de ces trois leaders. Nous avons besoin de coureurs rapides en montagne, bien sûr, mais aussi sur le plat. Nous avons aussi besoin que nos leaders soient capables de prendre le contrôle de la course, comme Stuart O'Grady ou comme Arvesen, qui peuvent être les patrons sur la route et les intermédiaires entre nous et les coureurs. C'est très important de prendre en compte tous ces aspects pour construire une vraie machine pour le Tour. Il est venu ici pour viser le podium et bien sûr il préférerait viser la plus haute marche du podium pour avoir le maillot jaune. Nous savons que ça va être difficile, mais nous sommes confiants pour le moment. Nous visions aussi une victoire d'étape, ce que nous avons réussi à faire hier avec Arvesen. Nous regardons aussi le classement par équipe et arriver à Paris avec tous les membres de la formation, ce serait une grande performance. Cela récompenserait leurs efforts tout au long des trois semaines. Pour l'instant, tout va très bien. Le but de la première semaine était de garder nos forces, de ne pas être dans les chutes. Nous avons donc voulu rester ensemble, travailler en équipe, rester à l'avant du peloton et surtout rester concentrés. Il y a eu du mauvais temps, des routes sinueuses et beaucoup de vent. Nous avons passé tout ça avec succès. Ensuite, dans les premières étapes de montagne, l'équipe a été très forte et on a emmagasiné beaucoup de confiance. Donc tout va bien, nous sommes très confiants en arrivant dans les Alpes et nous pouvons maintenant appliquer notre stratégie.
Nous travaillons très dur et c'est une partie de la philosophie de Bjarne Riis de travailler dans la bonne ambiance au sein de l'équipe. Ce que nous avons ici, c'est pas simplement un groupe de coureurs, mais avant tout un groupe d'amis. Ça donne un petit plus qui rend les choses plus faciles et qui permet d'en faire encore plus. Vous avez vu Jens Voigt et Fabian Cancellara tirer ce petit plus d'eux-mêmes. On ne fait ça que pour de vrais amis et un vrai leader. C'est ce pourquoi nous travaillons durant tout l'hiver. Je suis très heureux de faire partie de cette aventure. J'apprends beaucoup sur moi-même dans ce rôle de chef d'équipe. C'est vraiment fantastique.